Dépêche-toi, tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'aimes avoir le skin cyclo gratuitement dans ton casier Fortnite. Salut toi, tu m'as gagné un petit cadeau dans la boutique Fortnite. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Tous les jours, j'offre des cadeaux à des abonnés. Pour participer, tu dois juste t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu mets mon code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Pour cela, c'est vraiment hyper simple. Tu vas dans la boutique et tu fais soutenir un créateur et tu mets mon code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Une fois que tu l'avais mis dans la boutique Fortnite, tu mets ton pseudo Epic Games ou sinon ton ID PSN ou sinon ton ID Xbox, peu importe. Tu mets tout ça dans l'espace commentaire pour avoir la chance d'avoir un cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite. Voilà, bonne chance à tous. Hey, salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, simplement pour une toute nouvelle vidéo de leak. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela et à activer la cloche de notification. Comme vous avez vu, aujourd'hui, on va simplement parler de la prochaine saison de Fortnite Battle Royale. Alors que je vous parle, l'événement vient juste d'être fini, mais avant de commencer le leak, n'hésitez surtout pas à me soutenir dans la boutique Fortnite avec le code créateur Fintech. Vous allez vous rendre dans la boutique d'objets et là vous avez juste à mettre mon code créateur. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu, alors que je vous parle, l'événement pour la saison 3 vient d'être fini. Voilà, la boule de tempête vient juste d'exploser. On sait pas où est parti Midas. Voilà, on a eu vraiment des apparitions dans le bureau de chez Epic Games avec le skin John en costume et tout. Il commençait à dire hein, comme si tout était programmé par lui. Voilà, c'était vraiment un événement de dingue. Du coup là je vous mets vite fait une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il y a eu dans l'événement. Non, il n'y a rien de stable ici, en vrai. Janice, règle l'actionneur de résonance sur 7,2. Tout de suite, s'il te plaît. Je m'en charge. Eh bien, pas si vite. Ce n'est pas une simple tempête. Ça veut dire quoi, ça? C'est sûrement lié à la boucle, mais on n'aurait jamais pu prédire que ça réagirait de cette façon. Je t'ai Thank you.
marché. Ça va tenir combien de temps, tu penses? Bon, super. Tout est en train de se stabiliser ici, il n'y a pas l'air d'y avoir. Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu... Non, attends un peu. Tu peux m'entendre? Tu peux m'entendre? Comme vous avez vu, c'était vraiment un événement de dingue. On a eu l'apparition du skin John Jones, voilà, en costume, comme si tout ça était un test sur une île, voilà. C'est vraiment un événement de dingue. On a eu vraiment beaucoup de secrets à propos de Fortnite, voilà, aussi la prochaine saison, on sait pas encore à quoi s'attendre. Et aussi, le skin John, il parle avec une certaine Janice, comme quoi tout ça c'était un test. On ne sait pas pourquoi, mais le test il s'est mal passé ou quoi. Après, on a eu simplement une apparition dans son bureau et comme si on pouvait l'attendre, etc. Voilà, c'était vraiment un événement de dingue. Du coup, pour les gens qui n'ont pas compris l'événement, c'était quoi? Je vais vite fait un petit récapitulatif. Epic Games a confirmé que l'événement sera lancé à 20h ce lundi 15 juin. Voilà, pour toutes les personnes qui ont participé, voilà, vous savez que c'était à 20h. Hein, 5, voilà, etc. Étant donné que ce sont devenus des événements de Fortnite au fil des saisons, avec plus de 12 millions de joueurs lors du premier de ce genre, le serveur va devoir encaisser une charge phénoménale, arriver 30 minutes en avance pour être certain d'avoir une place. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit les développeurs de chez Fortnite. Voilà, vous devez être à l'avance de plus de 30 minutes si vous voulez réserver votre place. Comme vous le savez, moi j'essaie de simplement de rejoindre un Fortnite. Voilà, ça a vraiment pas marché. Voilà, parce que les serveurs étaient vraiment remplis. Je pense qu'il y avait plus de 4 millions de joueurs qui s'y connectaient simultanément sur Fortnite. Voilà, c'était vraiment impossible de se connecter au jeu. D'autres fuites ont montré que le bus de combat est en train de survoler une zone inondée. En plus, ça c'est vrai, le bus de combat il est en train de surveiller, comme vous avez vu sur le gameplay enregistré. Voilà, en plus tous les leaks sont vrais. Voilà, vraiment les fuites, ils étaient réels. Le dispositif pourrait aussi entraîner les joueurs sous l'eau et déclencher un cataclysme sans précédent pour ce chapitre 2. Une grande partie de la communauté du jeu s'attend que plusieurs zones de cartes se retrouvent envahies par les œufs et différents écoultiers sortent toujours de l'agence pourraient également avoir un rôle. Du coup, là, je vous montre simplement une image. On peut voir simplement le skin chat. Il est vraiment sous l'eau là, on comprend vraiment rien du tout. Et on peut voir aussi le skin banane qui est en train de nager. Et on peut voir vraiment un énorme requin. Je pense que c'est un mégalodon. En espérant vraiment que cette vidéo de leak vous aura plu. Du coup, je fais vraiment la vidéo rapidement. Voilà, pour que tout le monde sait un peu après ce qui s'est passé à 20h le 15 juin sur Fortnite. Voilà, l'événement. Du coup, je compte vraiment sur vous pour tous lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Voilà, la vidéo elle a été vraiment vite fait. Je vous demande vraiment un maximum de pouces bleus en bas de cette vidéo. C'était Fintex. Allez, ciao tout le monde.